Nous sommes le jeudi 6 avril 2017. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition d'Information Info Vision à la une de l'actualité. À partir du mois d'octobre, l'utilisation des véhicules immatriculés services de l'État par des fonctionnaires ne pourra excéder les heures de travail sauf autorisation de l'autorité de tutelle selon un arrêté présidentiel en date du 3 avril. Il est prévu également d'intégrer à ce véhicule un système de géolocalisation. La durée minimale d'utilisation de véhicules de service public est de 5 années, précise l'arrêté. Seuls les ministres, secrétaires d'État, directeurs généraux ou autres fonctions du même rang peuvent disposer de véhicules immatriculés officiels. Dans le cadre des mercredis de contrôle parlementaire, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Duménil, des responsables de l'association des industries d'Haïti, l'a dit donc répondu aux questions des sénateurs sur les dossiers de la sous-traitance sur l'emploi et du projet HOP. Des employés de l'Office national d'identification ont organisé hier un sit-in devant les locaux du musée du Panthéon national au Champ-de-Mars pour continuer de dénoncer le directeur Wilson Fièvre, accusé de mauvaise gestion, et réclamer également le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Des paysans de Plaisance du Sud dans le département des Nippes se plaignent de l'apparition de certaines maladies dans la commune. 6 mois après le passage de l'ouragan en Mathieu dans la région, le responsable d'une organisation, Jean-Marc Villiers, fait état de démangeaison et de la présence de sang dans les selles, interpelle le gouvernement. La désormais ex-assistante responsable du programme au RNDDH, Marie-Hélène Gilles, est très amère. Elle ne décolère pas suite à la décision du directeur exécutif de l'institution Pierre-Espérance de recevoir une subvention de 1,5 million de gourdes du BMPAD en violation de la charte de l'organisation. Une décision contraire aux règles d'éthique et de moralité devant guider l'organisme de droits humains. Martel, Madame Gilles estime avoir été trahie par son ancien collègue. Le conseil électoral provisoire a publié hier les résultats définitifs des législatives pour le Centre et Plaisance du Nord, consacrant la victoire de René Célestin pour les sénatoriales du département du Centre et Audney Alcide pour la circonscription de Plaisance. L'actualité sur le plan international, le Parlement vénézuélien contrôlé par l'opposition a lancé hier une procédure pour destituer les magistrats de la Cour suprême qui s'étaient brièvement arrogés les pouvoirs des députés la semaine dernière, suscitant l'indignation internationale. Les États-Unis ont rejeté hier les explications de la Russie concernant l'attaque à l'arme chimique du village syrien de Khan Sheikhoun dans la région d'Idlib et laissé entendre qu'il pourrait envisager une action unilatérale en réponse à ce drame qualifié par Donald Trump d'affront contre l'humanité. Il n'y a pas d'autre choix que la victoire dans la guerre civile qui ravage la Syrie depuis 6 ans, a déclaré le président syrien Bachar al-Assad dans une interview publiée ce jour. Jeudi, il explique ne rien attendre des pourparlers de paix qui se tiennent par intervalles à Genève et Astana au Kazakhstan. L'invité du journal ce matin, Maxime André, un étudiant au service social à la faculté des sciences humaines. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radiovision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Le magazine InfoVision est réalisé par Dominique Jean-Baptiste et Léon Cœur Civil. Larry Junior Désir assure les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-Lucie Bonhomme-Poupon et Enoch Charisma. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Et bonjour Enoch et bonjour, bonne journée à toutes et à tous. À partir d'octobre prochain, l'utilisation des véhicules immatriculés services de l'État par des fonctionnaires ne pourra excéder les heures de travail, sauf autorisation de l'autorité de tutelle. Étant dans un arrêté présidentiel en date du 3 avril, il est prévu également d'intégrer à ces véhicules un système de géolocalisation. Sachez que la durée minimale d'utilisation d'un véhicule de service public est de 5 années, précise l'arrêté, et seuls les ministres, secrétaires d'État,
directeurs généraux ou autres fonctions de même rang peuvent disposer d'un véhicule immatriculé officiel. Le dossier de la sous-traitance de l'emploi et du projet Hope est au centre d'une rencontre hier entre les sénateurs, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumény, et des responsables de l'ADI, l'Association des industries d'Haïti. Une rencontre dans le cadre des mercredis de contrôle parlementaire. Nous vous proposons d'écouter le président du Sénat, Youri Latortue, son collègue Ricard Pierre, au micro de Yandy France Fidèle. Il faut mon travail. Chaque monde obligé justement adressé à sénateur pour toute question enterrement, maladie, tout ça gagne d'en faire mal. Donc l'État n'a pas arrivé justement créer infrastructure nécessaire pour que secteur privé a limité travail. Et je dis à ces sénateurs qui là qui vous présentent toujours un souci pour eux. Et c'est peut-être ça. Nous avons posé question jeudi à pour nous par rapport à tout avantage, Jean, sénateur Lucas Odile, qui ont été dans la loi. Pour qui ça? Nous avons gagné 200 000, 300 000, 400 000 emplois dans le pays qui étaient capables en souffle dans le département et dans la région. Quand il y a un problème légal, quand il y a un problème budget, qu'il y a un problème infrastructure, je dis à son séance d'échange pour que nous puissions poser des questions appropriées. Et ouais, comment joindre en début de solution. Monsieur le ministre, la commission des finances n'est pas au courant du contenu de la feuille de route qui vous a été remise par le premier ministre. Elle ne sait pas non plus si vous avez déjà travaillé sur un plan d'opérationnalisation devant conduire à la réalisation des objectifs fixés dans cette feuille de route. Toutefois, vous conviendrez avec nous qu'il ne peut y avoir d'objectifs pertinents définis par le ministre du Commerce qui ne s'articule autour de la réduction du taux de chômage. Cette situation exige des actions urgentes de la part des instances concernées pour éviter la répétition des crises sociopolitiques conduisant inévitablement au ralentissement de la croissance. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du bureau, chers invités, vous n'êtes pas sans savoir que le chômage entraîne de graves conséquences pour le citoyen. Au nombre de ces conséquences, on peut mentionner la perte du pouvoir d'achat, ce qui a de graves répercussions sur le niveau de consommation, sur la production nationale, avec comme corollaire le recul de la croissance économique. Toute perte de revenus par un citoyen ou toute absence totale de revenus peut conduire au surendettement. Dans ces conditions, jeunes et vieux peuvent devenir complètement démunis. Mesdames, Messieurs, l'activité professionnelle étant le pilier central de l'identité et du statut social du salarié, il nous faut également considérer la perte du lien social causé par le chômage. Le chômage prolongé provoque un effondrement de la dignité et de la personnalité humaine. Le chômeur est confronté chaque jour à l'angoisse et au vide existentiel. Par ailleurs, la hausse de la délinquance et de la criminalité est à mettre au compte de ce taux élevé de chômage qui frappe notre pays. En effet, la plupart des condamnés pour vol, trafic illicite ou violence de toutes sortes cumulent la précarité et l'exclusion dû au chômage. Aux États-Unis, une étude a démontré qu'une hausse de 10% du taux de chômage provoque une hausse de 4% des arrestations, de 6% des incarcérations, de 3,4% des crimes économiques et de 0,8% des crimes violents. Une hausse de 1 million de chômeurs est à l'origine de 14 000 condamnations pénales supplémentaires. Ces chiffres nous permettent donc de voir le lien entre l'accumulation des taux exorbitants de croissance du chômage chez nous et la criminalité qui continue de battre son plein. Monsieur le ministre, face à cette criante réalité, quelle politique le ministère du Commerce va mettre en branle pour appuyer les petites et moyennes entreprises à l'échelle nationale et attirer les investissements directs? La loi Hope était censée nous permettre de créer des milliers d'emplois dans le pays. Combien d'emplois ont été effectivement créés? Est-ce que le pays a pu bénéficier de réels avantages de cette loi? Est-ce que le ministère a procédé à une évaluation des résultats produits par cette loi? À quoi aujourd'hui peuvent s'attendre les millions de chômeurs qui croupissent dans la misère? Voilà, vous venez d'écouter tour à tour le président du Sénat, Youri Latortue, et son collègue Ricard Pierre, qui intervenait donc hier dans le cadre des mercredis de contrôle parlementaire. Et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumény, informe qu'un état des lieux du MCI prenait particulièrement compte des différents points qui préoccupent les sénateurs est en cours d'élaboration. Le
directeur du commerce extérieur, afin que la rose qui nous a suivi en matière de commerce pour les deux dernières années a fait état d'un déficit commercial de 2,6 milliards de dollars en 2016 contre 2,7 milliards en 2015, indiqué que la valeur ajoutée des industries textiles représentait 80% des exportations totales du pays, tandis que les produits alimentaires représentent 22% des importations en total. En 2016, le ministre du commerce et de l'industrie, Marie Dumény, suivi du directeur du commerce extérieur, Marc-Franck Larose. Le département ministériel que j'ai l'honneur, que j'ai la charge d'animer, les structures à commission de formuler et d'appliquer la politique du gouvernement en matière commerciale et industrielle. D'exercer ses activités de promotion commerciale et industrielle, le ministère a la mission d'encadrer les associations telles que l'ADI, de superviser les activités d'organismes publics telles que la SONAPI, entre autres. Un état des lieux du MCI, du ministère du Commerce et de l'Industrie, est en cours d'élaboration sur les différents points qui préoccupent le Sénat de la République. La base commerciale d'Haïti, en 2015 et 2016, les exportations se sont élevées à 1,7 milliard de dollars en 2015 et 1,6 milliard de dollars en 2016. Et tandis que les importations sont chiffrées à 4,5 milliards de dollars en 2015 et 4,2 milliards en 2016. Alors, il en résulte un déficit commercial estimé en 2015 à 2,7 milliards de dollars et en 2016 à 2,6 milliards de dollars. La valeur ajoutée des industries d'assemblage textile représente environ 80% des exportations totales haïtiennes en 2015 et 2016. Et pour les importations, les catégories d'importation les plus importantes ont été les produits alimentaires qui représentent 26,5% des importations totales en 2015 et 22% des importations totales en 2016. Et en deuxième lieu, on trouve les combustibles minéraux. Vous comprenez tout de suite qu'il s'agit de produits pétroliers. Et les combustibles minéraux représentent 18% des importations totales en 2015 et en 2016. En troisième lieu, on trouve les articles manufacturés, environ 16% en 2015 et 2016. Ouverture hier à Port-au-Prince de la 19e réunion de coordination de la CNUSED, une activité qui coïncide avec le lancement de la deuxième promotion du programme Train for Trade pour une meilleure gestion en des ports. Le secrétaire d'État aux finances, Ronald Descendre, a souligné que cet événement intervenait à un moment où Haïti a décidé de se lancer résolument dans la modernisation de la gestion en des ports. Le secteur portuaire connaît de nos jours de profondes mutations à la fois structurelles et fonctionnelles, et a-t-il souligné. Pour sa part, le directeur de l'APN, Hervé Eveya, a indiqué que la problématique de la dématérialisation des processus, le coût du passage portuaire, le guichet unique, la promotion de la place portuaire et du domaine requiert des connaissances de plus en plus pointues, d'où l'importance du programme Train for Trade. Tour à tour, Ronald Descendre et Hervé Eveya, micro de Dominique Jean-Baptiste. Cet événement intervient à point nommé et coïncide aussi avec la décision par Haïti de se lancer résolument dans la modernisation de la gestion portuaire par la création d'une instance de régulation du secteur et l'apparition d'opérateurs privés de gestion des ports. Le secteur portuaire connaît de nos jours de profondes mutations à la fois structurelles et fonctionnelles. L'augmentation de la capacité du canal de Panama, la tendance renforcée à l'établissement de ports de transbordement, le pragmatisme du transport intermodal, les communautés portuaires n'ont pas manqué de se doter de ports performants. Ce programme de la section du développement des ressources humaines Train for Trade de la CNUSED apporte un soutien appréciable et apprécié aux communautés portuaires des pays en développement dans leur quête d'une gestion portuaire efficace et performante en vue de massifier les flux commerciaux et favoriser le développement
socio-économiques. L'autorité portuaire nationale, grâce au Train for Trade, vient de faire profiter à un nombre significatif d'employés. La problématique de la dématérialisation des processus, le coût du passage portuaire, le guichet unique, la promotion de la place portuaire, la question du domaine, et j'en passe, requiert des connaissances de plus en plus pointues. Haïti est le dernier pays à avoir intégré le réseau portuaire francophone en 2015, a souligné Marc Assaf, le chef de la section du développement des ressources humaines de la CNUSED, suite à l'intégration en Haïti au réseau des employés de l'APN, ont bénéficié des modules de cours sur la gestion en portuaire. Les précisions de Marc Assaf suivies et d'Oswald Rousseau. Haïti a été le plus ou moins le dernier membre à être entré dans le réseau, mais en rentrant dans le réseau 2 années en arrière, 2015, vous avez pris le train en marche très rapidement, qui est un TGV. C'est un moment important pour nous de pouvoir se réunir, on le fait de manière annuelle, et c'est un moment où on va partager ensemble toutes les activités que nous avons pu mettre en place dans ces différentes parties du monde. La couverture géographique est très large, avec des expériences différentes, avec des acquis, avec peut-être des expériences moins bonnes, et on va partager ça, et on va mettre tout sur la table. Par le de cette coopération déjà bien entamée entre l'APN et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, je veux souligner le rapprochement d'Haïti avec les peuples de notre terre ancestrale. Pour l'édification de tous, Haïti a intégré le programme de formation Train for Trade depuis 2 ans, c'est-à-dire en 2015. Le syndicaliste Finele Saint-Cyr dénonce la violation des droits des employés de l'entreprise de sous-traitance HEH Textile à Carrefour par les responsables de l'institution. Il pointe du doigt principalement le manager. Saint-Cyr informe que les employés, environ 3 000, qui sont en grève depuis mercredi pour exiger le respect de leurs droits, sont ouverts aux négociations. Écoutez, Fignolet Saint-Cyr. On a fait un carrefour, les HEH Textile, c'est coréen qui a dirigé. Il y a 3 000 personnes qui travaillent là-dedans, nous avons un syndicat majoritairement dans la factorie. Et maintenant, il y a un manager qui est Mme Kang, qui n'a pas respecté le droit de monde, qui n'a pas respecté la loi Haïti. Nous avons bataillé depuis 3 ans avec eux. Finalement, vous voyez, au passage, pendant qu'on était fait un grand pour demander pour le bas. Matin, il a commencé depuis le 29. C'est des négociations qui ouvrent, mais finalement, on a eu une médiation. Direction usinant refusé de tempérer. Et maintenant, ils utilisent les gens aux alentours pour faire violence pendant le vlog. Ils ont aidé la police pour venir prendre téléphone, ils ont cassé téléphone, ils ont en dans le parc industriel là. Et hier, les pires, ils ont éteint tout ventilateur, c'est-à-dire que les gens ont tout fait, ils ont été dehors, ils ont fermé direction syndicale d'ailleurs qui a mangé tout pour usinant, juste pour montrer que eux-mêmes, c'est eux qui mènent et c'est eux. Alors, comme ils disent en Haïti, gouvernement, plus proche, ils ont fait le travail ou bien la justice, et je dis nous dénoncer bah, ça qui passait dans HEH Textile. Même j'ai fait la police venir avec juge de paix, j'étais qu'à arrêter Mounan pour voir Mounan si la travail dans HEH ou non, j'étais qu'à mettre question ça sur Domounio et nous-mêmes nous dénoncer ça avec plus de force possible et en attendant que nous-mêmes nous interpellions les autorités au plus haut niveau dans le pays pour pouvoir question ça ramener et nous-mêmes nous ouvert pour la négociation, mais moyennant que Madame Khan quittait HEH parce qu'il n'y a pas respecté les droits, il considère Mounio comme bête, il considère Mounio comme esclave. Combien de monde qui est dans cette situation ça et puis dis-nous qui ça exactement nous fait dans l'usine? Alors c'est 3 000 monde, c'est des t-shirts qu'on fait pour des acheteurs internationaux dans le cadre de rapport travail à textile. Et maintenant, direction usine a été une face, ils n'ont pas voulu lâcher prise et Mounio dit eux-mêmes, si ils n'ont pas joué les revendications, ils n'ont pas satisfait, donc grève la pas camper. Et c'est pourquoi nous-mêmes nous font appel aux autorités étatiques pour permettre à ce que question ça lui-même les pallier parce que la situation est grave. Des employés de l'Office national d'identification, l'ONI ont organisé hier un sit-in devant les locaux du musée du Panthéon national au Champ de Mars. Et pour continuer de dénoncer le directeur Wilson Fièvre, accusé de mauvaise gestion, et la protestataire réclamait également le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire suivi. Il
nous la matin pour nous continuer à dénoncer toutes les autres qui ont fait en Daoni. Côté employé sous 4 mois, nous n'avons pas touché. La majorité a gagné 8, 9, 10 ans, nous n'avons pas nommé. Il y a des problèmes au niveau payroll là, c'est parce que le directeur lui-même, allocation budgétaire que le fonctionnaire, il dépense les gens, il ne fait pas qu'être des autres là-dedans. Nous dénoncer tout, on projet authentification, côté que l'argent dépensé, bon équipe qui n'est pas touché. Nous avons dénoncé tout, fouet directeur, qui c'est Antoine Fièvre, qui fait salver dans la base de données. Il n'y a pas ni titre ni qualité. Je dis à nous dans la rue encore parce que nous avons goûté longtemps, nous sommes responsables de ne pas prendre le dossier au niveau en considération. Le directeur Wilson Fièvre fait qu'on est que l'institution a marché, pas gagné rien qui n'a pas marché là-dedans. Même temps, mais pour y aller au fond, pour y avoir qu'est-ce qui problème que nous avons confronté. Si on employé on est malade, il n'y a pas à l'hôpital parce que il n'y a pas de payé au Fatma pour nous au cours de ces derniers mois. Même lorsque il y a 4 au Fatma, l'amour n'y pas vaut rien parce que il n'y a pas payé. Avant nous, moi, c'est une qui démarche que nous faisons côté responsable. Depuis l'année dernière, nous écrit tout instant sur tes gains pour nous écrit. Nous faisons tout démarche tes gains. Donc on n'y pas marché, on n'y pas travaillé. On n'y pas marché. Faut président, voyez, monde vient faire enquête. C'est pas si tu apprends parole dans mes huit sont avec tes groupes alcooliques. C'est jette, fièvre, ensemble, ils mangent l'argent nous. Jusqu'à ce que vous avez un goût. Même dans les gens, c'est possible pour nous l'argent pour nous toucher. C'est démagogie, monsieur Fenaoni. Monsieur pas atterri. Monsieur Sonek, puis on met une banquette sous lui. Jean 2000, le journal du matin n'est pas développé après la pause. La désormais ex-assistante responsable de programme au RNDDH, Marie-Hélène Gilles, est très amère. Elle ne décolère pas suite à la décision du directeur exécutif de l'institution Pierre-Yves Ferrand de recevoir une subvention de 1,5 million de gourdes du BMPA en violation de la charte de l'organisation. Une décision contraire aux règles d'éthique et de moralité. Martel, Madame Gilles, estime avoir été trahie par son ancien collègue. Le Conseil électoral provisoire a publié hier les résultats définitif des législatives pour le centre président du Nord consacrant la victoire de Rodney Célestin pour la sénatoriale du centre et Odé Alcide pour la circonscription de Plaisance. Les paysans de Plaisance du Sud dans le département d'Anip se plaignent de l'apparition de certaines maladies dans la commune 6 mois après le passage de l'ouragan en Mathieu dans la région. Le responsable d'une organisation, Jean-Marc Villiers, fait état de démangeaison et de la présence de sang dans les selles. Il interpelle le gouvernement. Le Parlement vénézuélien contrôlé par l'opposition a lancé hier une procédure pour destituer les magistrats de la Cour suprême qui s'étaient brièvement rogé les pouvoirs des députés la semaine dernière, suscitant l'indignation internationale. Les États-Unis ont rejeté hier les explications de la Russie concernant l'attaque à l'arme chimique du village syrien de Khan Sheikhoun dans la région d'Idlib et laissé entendre qu'il pourrait envisager une action unilatérale en réponse à ce drame qualifié par Donald Trump d'affront contre l'humanité. Le président syrien Al-Assad a déclaré dans une entrevue publiée aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre choix que la victoire dans la guerre civile qui ravage la Syrie depuis 6 ans, expliquant ne rien attendre des pourparlers de paix qui se tiennent par intervalles à Genève et Astana au Kazakhstan. Maxime André, l'invité du journal ce matin, il sera question de la crise à la faculté des sciences humaines. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000.
Depuis douvan jou sonnen, jou que la brindi soit tombée, yon bonne femme ak garçon a pote farine, brasse pâte, fait pain, pizza, gâteau, tout machin, pour moun kap resevwa moun pour entreprise ak institution kap bay service. Avant soule la kale gel, sot café, café pays nou, envahi la caillou. Et c'est comme ça nous dit bonjour, mes épidor. Bonjour pratique, bonjour la société. Chaque jour, bon Dieu fait jour, c'est comme ça nous fait. Nous préparer sandwich, salade, plat manger, toute qualité manger. Diri nous servi, c'est diri nous acheter local. Légumes et salade nous yo, pi fort sorti dans le jardin pays d'Haïti. Chaque année, c'est plusieurs millions de gouttes nous mettons dans la poche cultivateur la caille. Nous même investis dans la terre et les paysans. Produit et puis nous servi, pi fort, c'est papier et carton, c'est matériel recyclable. Même assiette nous servi manger, c'est assiette carton recyclable. Et puis d'or, pas servi à assiette en foum. Dios, vin ou ça, nan épido qui piperait la carotte. Auditeur Radiovision 2000 qui est aux États-Unis, moi j'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous ka coûter Radiovision 2000 live sous téléphone nous gratis ti chéri. Le nous relé dans numéro 605 562 43 30. Enregistrez numéro ça. 605 562 43 30 et puis Radiovision 2000 avait au tout côté. Première fois nous t'ai rencontré, c'était la plaine. Nous t'ai tout petit. Gayen qui t'ai dit nous pas gain avenir. Pourtant l'homme nous grandit. Nous prend route d'Elma, sortant des yo commencé dit nous pas sembler, ça me vient régler. Le cœur en boule, na loi yo la boule. Ça c'est l'amour mon fou, est-ce que nous fou? Nous toile ka fou. Et pourtant l'amour nous commencé bourgeonner, c'est à deux bras l'ouvrir. Sans faire la sissine, yo accueilli nous plaisine. Nous faire un pile route ensemble, nous monter, nous descendre ensemble. Je dis à, c'est tout le monde qui en vit ouais nous. Je dis à, nous gain fait. Fais ta confiance. Pour célébrer ses ventes avec sa clientèle, à partir 1er mai, pendant toutes 13 années, Delimat a bail client fidèle Lio cadeau, un pile gros cadeau. 20 motoboxeurs, une voiture derrière tout Sirion et maman Bemba, c'est la Audi Q5 high-tech dernier modèle. Delimart, 20 ans d'amour, 20 ans de fidélité, 20 ans de proximité. Ladies and gentlemen, vision sous compas avec Nixon Live. Tous les jours, du lundi au vendredi de 7h à 8h du soir et le samedi à partir de 8h du soir. Compa Trek, Compa Nouvelle Génération, Compa Mix. Sous le réseau national de Radiovision 2000, le compas de Nebo Jean-Baptiste se conjuguera à tous les noms. Acquisition sous compas, 100% compas dans micro dimension. Tout le monde a besoin. Soyez branchés Radiovision 2000 sur les différents réseaux et sur le www.radiovision2000haiti.net. Original américain. Ou mettre bami en plat. Sur Radiovision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. 10h45, dans le journal Gazette Créole, Bulletin Sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. 10h45, dans le journal Gazette Créole, Bulletin Sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000.
Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Unibank souhaite la bienvenue aux clients de la Scotiabank dans la grande famille Unibank. Elle saisit l'occasion pour les informer qu'elle assurera désormais la prise en charge des 4 succursales de la Scotiabank à partir du 1er mars 2017. Aussi, la Unibank invite les anciens clients de la Scotia à continuer d'effectuer leurs transactions bancaires dans la même succursale de la Scotiabank qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Ils seront informés de la date qu'ils pourront utiliser les services des 50 succursales de la Unibank. Par ailleurs, la Unibank informe ses clients qu'ils ne pourront pas utiliser dans l'immédiat les 4 succursales de la Scotiabank. Ils seront bientôt avisés de la date à laquelle ils pourront le faire. La Unibank remercie tous ses clients sans distinction de leur confiance et compte sur leur compréhension pour une transition harmonieuse. Unibank, faisons route ensemble. Débat politique. Bonsoir, candidat Raymond. Première question, comment pour améliorer santé peuple là? Joue que mon président Sambal fait, c'est mander toute entreprise offrir employé yo assurance santé CAH parce que c'est l'équipe bon sous marché. D'ailleurs, la compagnie d'assurance de notre pays est la compagnie d'assurance d'Haïti. N'est-ce pas? Et assurance santé CAH, la charge et avantage. Yogé clinique climatisée multimède, yogé pharmacie et un gros réseau docteur avec plusieurs hôpital pour yon croiser mon nain. Peuple mouillant a pris en santé pendant qu'il a économisé. Merci. Contactez yo dans 28 10 07 00 ou bien info@cah.ht. Dans ce cas, ou tout président, parce que tout le monde a voté CAH. CAH. Kapao, c'est Kapan. Sur Vision 2000, parler tourisme, c'est parler développement. Vision, destination, saveur. Une émission consacrée au tourisme. Tous les jeudis, 3h de l'après-midi, plongeons ensemble dans la diversité haïtienne. Découvrons nos régions, découvrons notre patrimoine. Partons à la découverte des goûts, des couleurs et des richesses qui font d'Haïti une destination unique. Unique. Haïti occupe une place de choix en plein cœur de la Caraïbe. Identifions les potentiels, saisissons les opportunités. Construisons ensemble le futur d'Haïti. Pour une nouvelle vision d'Haïti, vision, destination, saveur. Pour mieux comprendre, pour mieux agir. David, et ben bah chamoué ou? Ah mon cher, depuis l'en vin nanat comme nan, et puis avec 3 mois mégabytes pour Facebook gratis ça, pour te m'bralé. Ah baba, ou est tout avantage m'a choué nanat comme? Et puis ou kon sac bon nan internet nan comme nan, on y clique tap, li fouch, li ouvert. Fois ça, c'est pas like seulement like non, même pok m'pok li tout. Et puis depuis m'bezoué par la velle, m'jouas rechargé. Tenez, pas dit mon bon comme on a choisi à toujours. Hein? Comme si vous m'dage 3 mois mégabytes pour Facebook gratis pour m'pata bon? Ou tap ou rime? Madame! Yes, the future is now. Let's go! Ha ha! Pierre Moutet, classe la descente! Allez ça encore! Beya chaque mené deux mounes dans la finale Ligue des Champions en Europe! Finale Ligue des Champions, oui, Odio! C'est ça même! Sorti 1er décembre 2016, il est 30 avril 2017, chaque fois acheté pour Pipiti 5000 gouttes ou soit 100 dollars américains avec Beya Chmoste Kadou! Ou augmenter chansou pour gagner tirage ça. Voyage à dire 5 jours. Et puis tout bagage gratis, oui. Billet d'avion, l'hôtel ou transport, boisson. Gratis. Manger ou visite touristique. Et puis ticket final là. Gratis. Et puis charger l'autre surprise tout. Kounia, m'a déposé tout l'autre ticket 4 BIH Mastercard seulement m'a utilisé. Logue BIH Mastercard, va comprendre. BUH, ma banque, mon avenir. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont des centaines de milliers d'auditrices et d'auditeurs à capter Vision 2000 à l'écoute en Haïti comme à l'étranger.
Valérie Numa et Taylor Rigaud analysent, commentent et développent les points forts de l'actualité. Les arguments s'affrontent et font réfléchir. Vision 2000 à l'écoute, c'est plus qu'une émission. Tôt ou tard, notre Haïti ça, c'est possible. Ouais, notre Haïti a possible. Les thèmes traités sont vitaux pour le développement de notre pays. Vision 2000 à l'écoute, un lieu d'échange où les idées s'expriment librement à travers le dialogue. Notre Haïti est possible. Pas de l'autre solution, pas de route, pas bois. C'est seul dialogue qui va permettre que nous jeunes Haïti que nous réveillons. Vision 2000 à l'écoute sur Vision 2000, du lundi au vendredi de 1h à 3h PM. Reprise 10h45 du soir. Vision 2000 à l'écoute. Vision 2000 à l'écoute. Une émission pour l'autre Haïti. L'émission Vision 2000 à l'écoute est patronnée par Diri Bull, original Diri américain et PIC. Sur Radio Vision 2000, à Port-au-Prince et sur le réseau national et international, écoutez, soyez à l'affût de l'information. Distrayez-vous. Obtenez le maximum d'éducation, le maximum de formation. Radiovision 2000, tous les jours à votre écoute. Déjà développé dans ce journal, à partir d'octobre prochain, l'utilisation des véhicules immatriculés des services de l'État par des fonctionnaires ne pourra excéder les heures de travail sauf autorisation de l'autorité de tutelle, selon un arrêté présidentiel en date du 3 avril. Il est prévu également d'intégrer à ces véhicules un système de géolocalisation. La durée minimale d'utilisation d'un véhicule de service public est de 5 années, précise l'arrêté. Seuls les ministres, secrétaires d'État, directeurs généraux ou autres fonctions de même rang peuvent disposer d'un véhicule immatriculé officiel. Dans le cadre des mercredis de contrôle parlementaire, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumény, et des responsables de l'ADI ont répondu aux questions des sénateurs sur les dossiers de la sous-traitance de l'emploi et du projet HOP. Des employés de l'Office national des identifications ont organisé hier un sitting devant les locaux du MUPANA au Champ de Mars pour continuer de dénoncer le directeur Wilson Fièvre, accusé de mauvaise gestion. Il réclamait également le paiement de plusieurs mois d'arriérés de soldes. Ouverture hier à Port-au-Prince de la 19e réunion de coordination de la CNUSED, une activité qui coïncide avec le lancement de la deuxième promotion du programme Train for Trade pour une meilleure gestion des ports. À titre de rappel, Maxina André est l'invitée du journal. C'est un étudiant en service social à la faculté des sciences humaines, la FACH, qui est en crise. Écoutez Radiovision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. Rebonjour Enoch. Rebonjour Marie-Lucie, rebonjour à tous. 7h18, la page internationale du journal. On va commencer par le Venezuela. Le Parlement veut destituer les juges de la Cour suprême. Justement, le Parlement du Venezuela, contrôlé par l'opposition, a lancé hier une procédure pour destituer les magistrats de la Cour suprême qui s'étaient brièvement arrogé les pouvoirs.
des députés la semaine dernière, suscitant l'indignation internationale dans un climat politique tendu et au lendemain de heures entre manifestants anti-chavistes et forces de l'ordre. Les députés ont adopté le texte accusant les juges de la Cour suprême de coup d'État pour avoir confisqué le pouvoir législatif pendant 48 heures. La haute juridiction considérée comme favorable au président socialiste Nicolas Maduro était finalement revenu samedi dernier sur sa décision qui avait déclenché un tollé international. Un cordon militaire a été installé aux alentours de l'hémicycle. Le projet des députés d'écarter les juges de la Cour suprême qui doit encore être validé par une autre instance, le pouvoir moral, a toutefois peu de chances d'aboutir. Le chavisme contrôlant toutes les institutions au Venezuela, hormis le Parlement, depuis l'entrée en fonction de l'Assemblée, contrôlée par l'opposition du centre-droit pour la première fois en 17 ans, la Cour suprême a fait annuler toutes ses décisions, considérant le Parlement hors la loi pour avoir intégré dans ses rangs trois députés dont l'élection était entachée de soupçons de fraude. Le texte voté fixe comme objectif la lutte pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, la tenue d'élections anticipées et la libération des prisonniers politiques. Les États-Unis rejettent les explications de la Russie après l'attaque en Syrie. Les États-Unis ont rejeté hier les explications de la Russie concernant l'attaque à l'arme chimique du village syrien de Khan Sheikhoun de la région d'Idlib et laissé entendre qu'il pourrait envisager une action unilatérale en réponse à ce drame qualifié par Donald Trump d'affront contre l'humanité. Le président américain a estimé que ce raid, qui a fait plus de 70 morts dans le nord-ouest de la Syrie, était allé au au-delà de la ligne rouge. Il a fait ainsi allusion à son prédécesseur Barack Obama qui avait renoncé à agir contre la Syrie lors d'une précédente attaque chimique en 2013. Bien que Damas ait alors franchi une ligne rouge fixée par la Maison Blanche, Donald Trump n'a donné aucune indication sur ce que les États-Unis pourraient entreprendre s'ils en ont l'intention. Ces commentaires interviennent alors que Washington disait il y a quelques jours que le départ de Bachar al-Assad n'était plus une priorité. Il risque d'accroître les tensions avec Moscou, même si le Kremlin et la Maison-Blanche affirment vouloir améliorer leurs relations. Les États-Unis et les autres pays occidentaux et plutôt forces gouvernementales syriennes la responsabilité de l'attaque de Khan Sheikhoun. Les services de renseignement américains jugent qu'il s'agit probablement d'une attaque au gaz sarin. Selon Médecins sans frontières, les victimes du bombardement en présentent des symptômes caractéristiques d'une exposition à ce type d'agent neurotoxique. Et à noter que des autopsies en Turquie qui de victimes de l'attaque mardi en Syrie confirme un recours à des armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad, une attaque qui a fait 86 morts dont 30 enfants. Et le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'était réuni en urgence dans l'espoir de voter une résolution à propos de l'attaque justement a repoussé le vote. Justement, l'ambassadeur britannique à l'ONU, Matthew Rycroft, a affirmé à la presse que les négociations continuent avec ses collègues du Conseil de sécurité, espérant un vote le plus tôt possible. Son homologue français, François Delattre, a déclaré que les négociations se déroulent dans un bon état d'esprit. Mais pour le moment, la Russie se montre bien peu ouverte à une quelconque résolution. Le Kremlin juge en effet inacceptable en l'état le texte présenté par Washington, Paris et Londres. Le représentant adjoint de Moscou, Vladimir Safonkov, a dénoncé l'attitude biaisée et l'obsession du Conseil de sécurité pour un changement de régime. De leur côté, les États-Unis montrent des signes d'impatience quand les Nations Unies échouent constamment dans leur mission d'agir collectivement. Il y a des moments de la vie et des États où nous sommes obligés d'agir nous-mêmes, a menacé Nikki Haley, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. Pas d'autre choix que la victoire, a dit Bachar al-Assad. Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré et dans une interview publiée aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre choix que la victoire dans la guerre civile qui ravage la Syrie depuis 6 ans, expliquant ne rien attendre des pourparlers de paix qui se tiennent par intervalle à Genève et à Astana au Kazakhstan. Dans cette interview accordée au quotidien conservateur croate Journal du Soir et diffusée par l'agence de presse syrienne Sana, et Assad n'est pas interrogé sur l'attaque chimique. Dans l'interview diffusée aujourd'hui, Bachar al-Assad a réaffirmé son objectif d'infliger une défaite
défaite totale à l'insurrection. Il réaffirme aussi son rejet de création d'un État fédéral réclamé par les groupes kurdes dans le nord de la Syrie. Nous avons un grand espoir qui augmente et cet espoir est construit sur la confiance, car sans confiance, il n'y aura pas d'espoir. Dans tous les cas, nous n'avons d'autre choix que la victoire, déclare le président syrien. Si nous ne remportons pas cette guerre, cela voudra dire que la Syrie sera rayée de la carte. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire face à cette guerre et c'est la raison pour laquelle nous sommes confiants, nous sommes persévérants, a déclaré le président syrien. Et Donald Trump reçoit aujourd'hui le chinois Xi Jinping pour un tête-à-tête dominé par Pyongyang et pour sa première visite au président Milader, le dirigeant chinois sera reçu dans la fastueuse résidence sous tente dorure à West Palm Beach plutôt qu'à la Maison Blanche. Et il faut dire que peu d'éléments ont filtré sur le programme exact de cette rencontre très attendue, si ce n'est que les présidents des deux premières puissances économiques mondiales doivent dîner ensemble aujourd'hui après l'arrivée de Xi Jinping dans l'après-midi et avoir une série d'entretiens demain. Le président républicain de 70 ans, dont le positionnement diplomatique vis-à-vis du géant asiatique reste flou, aura l'occasion de fournir une première indication de l'orientation qu'il entend donner à la relation sino-américaine. Il s'attend en tout cas à une rencontre très difficile avec l'homme fort de Pékin, car le mania de l'immobilier n'avait pas hésité en campagne à ériger la Chine en principal rival des États-Unis, notamment dans le domaine du commerce international. Il avait notamment accusé Pékin de manipuler sa monnaie. Et Donald Trump a déclaré hier que les États-Unis allaient renforcer leur capacité militaire pour répondre à la menace nord-coréenne et a réaffirmé que toutes les options étaient envisagées. Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé avoir ordonné à ses militaires de se déployer sur des récifs et îlots inhabités disputant en mer de Chine méridionale, ce qui pourrait provoquer la colère de Pékin. Monsieur Duterte a expliqué qu'il avait ordonné à l'armée de se déployer et de bâtir des infrastructures sur certains îlots de l'archipel de Spratly que son pays revendique comme partie intégrante du territoire philippin. La Chine considère comme son territoire national la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des zones proches de ses voisins, au Grand Dam de Mani et d'autres pays du sud-est asiatique qui ont également des revendications. Elles se fondent sur une délimitation en 9 pointillés apparus sur des cartes chinoises datant des années 1940. Quatre personnes suspectées d'avoir commis une attaque récente contre des policiers à Astrakhan dans le sud de la Russie ont été tués aujourd'hui par les forces de l'ordre. Cet incident intervient alors lorsqu'un attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, perpétré selon les enquêteurs par un jeune homme né au Kyrgyzstan, a fait 13 morts lundi. Le Hamas pend trois hommes accusés de collaboration avec Israël. Le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a mis à exécution aujourd'hui ses promesses de rétorsion après le mystérieux assassinat d'un de ses commandants en pendant trois hommes accusés de collaboration avec Israël, grand ennemi du mouvement islamiste palestinien. Les trois hommes amenés en uniforme de prisonniers rouges menottés aux mains et aux pieds et le visage recouvert ont été mis à mort sur un terrain d'entraînement à intérieur du complexe de la police, du haut responsable du Hamas, des représentants de différentes formations gazaouis ainsi qu'un groupe de journalistes ont assisté aux pendaisons. Il s'agit de la première exécution collective depuis 2014. Ces pendaisons interviennent dans un contexte d'appel à la vengeance de la part du Hamas après le mystérieux assassinat d'un de ses commandants le 24 mars à l'intérieur du territoire. Le Hamas accuse Israël du meurtre. Sachez que le trafiquant de drogue mexicain Alfred Beltran-Leyva, une des têtes du cartel éponyme, a été condamné hier à une peine de prison à perpétuité aux États-Unis. L'homme de 46 ans avait été arrêté en 2008 à Culiacán, dans le nord-ouest du Mexique, avant d'être extradé en 2014 aux États-Unis, où il a plaidé coupable d'avoir conspiré en vue d'importer de la cocaïne et de la méthamphétamine. Pendant bien plus d'une décennie, le prévenu a dirigé une importante organisation de trafic de drogue qui a importé des tonnes de cocaïne et de méthamphétamine aux États-Unis, a expliqué le ministre adjoint de la Justice, Kenneth Blanco,
dans un communiqué. Son cartel mexicain a déclenché une campagne de violence et de peur à travers l'Amérique du Nord, a-t-il insisté. Alfredo Beltrán Leyva est l'un des Goliaths des trafiquants de drogue mexicains, connus pour leur technique de business violente et responsable d'avoir inondé les États-Unis de drogue illégale et a abondé James Hunt, agent de la police antidrogue. Le juge Richard Léon, qui siège au tribunal fédéral de Washington DC, l'a condamné à la prison à vie ainsi qu'à 529,2 millions $ d'amende. La page internationale du journal, mesdames et messieurs. Merci, Alain. Merci, Marie-Lucie. Merci à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000.it. De retour à l'actualité de chez nous, la désormais ex-assistante responsable du programme au RNDDH, Marie-Hélène Gilles, ne digère toujours pas certaines décisions prises par le directeur exécutif de l'institution Pierre Espérance, particulièrement la réception d'une subvention de 1,5 million de gourdes du BMPA en violation de la charte de l'organisation, ce qui, selon la militante des droits humains, peut être assimilé à de la corruption. Madame Gilles, qui a démissionné mardi, dit avoir été trahi par son ancien collègue Marie-Hélène Gilles au micro de Diego Charles. Le senti, c'est quand on prend pour fouiller et pour brasser le nom. Ça fait mal. Je dis à femme, un jour, depuis que je remets démission le réseau national de défense des droits humains comme assistante responsable de programme pour raison éthique et moralité. L'inacceptable pour une organisation qui défend le droit, qui défend la moralité éthique, qui lutte contre l'argent de l'État, contre la corruption, contre le détruitement de l'argent. Une organisation qui toujours devant bonne, qui a battu chalbaï contre institution, qui parle de payer taxes, qui a fait gagner l'argent d'État, ou c'est organisation ça qui gagne une pile à paquet accusations qui tombent sous deux. Suite à pile parole, corruption ça qui tombe sous deux RNDDH. Mais tu prends un petit temps pour me réfléchir, pour mener enquête avant que je te livre la décision ça. Sous dossier BMPAD là, c'est la désolation. Directeur a dit nous qui pas qu'on rien de subvention BMPAD. 31 mars, il y a espérance décision. Il fait face carré à moi. Il dit moi oui, chèque la rentrée dans le bureau, mais c'est l'administratrice là qui utilise la signature électronique qui voyait aux correspondances dans le BMPAD. Sous base réponse ça, moi exigé pour me contrer avec l'administratrice là. Monsieur Espérance opposé catégoriquement. La date 3 avril, Espérance monté sur radio pour dire subvention, pas corruption. Si subvention de corruption, organisation locale n'est pas capable de fonctionner, parce que quand il y a recevoir l'autre bord, trop petit, en pile dans l'autre, tu es obligé de fermer les portes. Moi, estimer, c'est une porte qui est trop large que RNDDH ouvert, non, qui quantité l'argent qui a rentré en tant qu'organisation. Pas bien, RNDDH, c'est une organisation qui recevoir fonds dans divers partenaires étrangers, particulièrement dans le pays de l'Europe. J'aimerais dire dans l'aide d'émission, RNDDH, papé, on a DGI pour moi depuis 3 ans. Dans la 3 octobre, Pierre Espérance te mandé BMPAD COB là. Il y a l'autre information qui a compté sous téléphone moi qui est signature Pierre Espérance avec en tête RNDDH qui dit que RNDDH t'a écrit ONA pour mandé COB pour être capable de subventionner l'activité avec l'autre groupe économique qui a dit que le problème n'est pas capable pour être au COB. Est-ce que c'est vrai? Je ne vais pas répondre. 4 avril, 3 membres d'équipe là, Chita avec directeur exécutif RNDDH là. Moi-même, moi estimé position que de fournir du parcours avec moi décidé quitter RNDDH. Certains avocats du barreau des Gonaïves réclament la démission de Maître Maryse Jonas, commissaire du gouvernement de ce ressort, qui selon eux n'arrive pas à accomplir sa mission convenablement à raison de problèmes de disponibilité. D'autres avocats qui parlent de manipulation réclament son maintien à la tête du parquet correspondance Exalus Merjuna. Avocats dans le barreau des Gonaïves là, divisé sous présence commissaire gouvernement Maître Maryse Jonas qui n'a pas ça depuis environ 7 mois. Yon groupe avocat nan Baroua reproche commissaire qui d'après yo pas disponible pour job là. Avocat sa yo qui fait connait indisponibilité commissaire mette yo nan difficulté pour passer à fait, mandé de pas chef paquet a. Comment comprenez nous commissaire habité pas au prince? Gen de joul vini, gen de joul pas vini. Et là il vini, c'est le algen va aller pour le régler. Un paquet d'activité personnelle pour ta régler la kaili, li vini pour paquet a comme résidence privée pour le régler tout bagay. Nap di nou à commissaire Marie Jonas. Ou pas ka ouè commissaire ou même en tant que avocat. L'homme vient l'homme repasser en affaire. M'pas qu'à passer, c'est tout normal moi-même pour
me sentir frustré. Donc nous tiens à ce que le ministre de la Justice en lui-même les délibère nous avec embarras en état juridiction. Sous Bopayo, il y a un groupe avocat dans même Barossa critique confrère Ronan Bazochta qui d'après yo a fait jouer une main politique qui veut contrôler la justice en juridiction. Groupe homme de loi Sayo critique confrère qui toutefois a mal agi dans dossier. Maître Reginald Michelin fait partie groupe avocat Sayo qui a supporté commissaire gouvernement. Non voilà, yo veut politiser toute bagaille. La justice pas politiser. La justice pas un réseau chimère qui a pour convertir avocat pour faire ça on veut, ça hôpital, non non tout avocat. Mais ça qu'après là c'est bagaille politique. Qui ça reproche Maryse? Il a dit Maryse pas joignable. Même pas que c'est qu'on y a pour venir dire Maryse pas joignable. Maryse gagne environ 7 mois dans paquet. Fais un écoute qu'a fait. Et gros paquet de nègres là, son paquet incompétent qui a parlé là. Son paquet de monde qui est dans le sourire. C'est l'argent pour payer pour le marché. Est-ce que Maryse de corruption avec eux? C'est ça pour le contacté par Vision 2000, commissaire gouvernement dit les prêts pour quitter poste là. Mais pas avant, il y a une décision, ministère de la Justice. Maître Marie Jonas Kwe, c'est un groupe avocat racketé qui pas une possibilité pour faire ça et ouvrir dans le paquet qui a demandé des palis. Groupe qui a demandé des palis parce que vous pas qu'à entrer, vous voler, vous faire vicieux dans le paquet, vous faire racket. Parce que moi-même, vous ne pas qu'à permettre de vous offrir l'argent pour le dossier. Vous pas qu'à sauter dans le cabinet avec votre quête tout signé pour commissaire à venir signer lui-même. Parce que moi-même, m'applique la loi, m'respecte la loi. Ça va faire plaisir. Il y a et plusieurs tentatives qui vont être comme ça. Quand il y a quelques tentatives pour passer de dossiers qui pas bon, de dossiers exécutifs qui pas bon, mais vous toujours bloqué. Mais même ces gens, ouais, c'est tout noir, tout blanc. N'a fait qu'on est face à l'agressivité que l'avocat n'a pas qui veut jouer des pales à tout prix. Commissaire gouvernement, M. Marie Jonas, obligé de faire appel à quelques agents Udmo qui pas assuré sécurité li n'a pas qu'à. Exalus Merjena, Gonaïve, Radio Vision 2000. Des étudiants de la faculté des sciences humaines fustigent l'attitude de certains de leurs collègues et de leurs camarades qui disent-ils prennent en otage cette entité de l'UH. Ils accusent ces derniers de défendre leurs propres intérêts sous prétexte de mener une lutte en faveur de la réforme de l'université. Ces étudiants qui se disent révoltés par la crise qui ronge l'UH demandent aux autorités concernées d'assumer leurs responsabilités. Et Gad Guillard-Firmin, Nelson Jean-François et unique des Simus, ce sont trois étudiants de la fâche. Ils étaient les invités de Valérie Numa hier matin. C'est des mounou pas j'aime un coup tout. Il y a toujours chitano, qu'on est dans la faculté. Ouais. On l'est qu'on s'en va et puis il y a coulé les bières. Et puis, quand il y a mouvement, ouais, c'est. Ouais, ouais, il y a chef mouvement. Ça veut dire, qu'on y a, mais ça qui des fois, on dit le silence est d'or. Mais il y a un silence tout, qui la majorité étudiant qui le silence ça, il vient en silence complice. Mm-hmm. Parce que nous, pas vraiment, dans le style de monde, ça c'est eux qui toujours dans les médias, qui représentent les étudiants, dit nous-mêmes dans la faculté des sciences humaines, mais qui ça nous voulait. Mais, ça, dans la faculté des sciences humaines, ça veut dire, soit dans la faculté, la majorité a vraiment pas de même position à mon ça. Et ça fait que, des étudiants par proposition, c'est par la peur. Ça veut dire, ça veut toujours du cacao. Ça veut dire, que des étudiants victimes même de eux. Des gens, nous avons signé une pétition l'autre jour, et qui arrive dans 3 jours, nous fait arriver à 372. Et pour étudiants seulement. Oui, pétition, oui, 372, dans 3 jours. Malgré des gens qui disent d'accord avant, mais ils ne parlent maintenant, pour ne pas avoir un problème par rapport avec des menaces de mort, ils ont fait pour faire. Des professeurs tout nèg ont menacé, ça veut dire là, ça veut dire gon situation qui m'a dit pour voyer je gars. Une bagaille c'est que nèg ça y a pas gon moun yo peur ou bien pas gon moun yo respecter. Qui tout est professeur, y a sale non dans tout mi, des pour pas pour yo et yo dit a pour une réforme. On imagine si nous t'n'a pour une réforme dans moment ça, il t'a une réforme qui t'a basé sur pensée plurielle. C'est-à-dire côté t'a gain différentes pensées mais pourtant des pour pas d'accord nèg yo pour yo mettre en face. Là yo pas mettre en face comme ça pour dire simple en face et c'est ça qui fait majorité ti moun dans espace la peur tout. Yo fait action. L'aime dit fait action, yo batou, yo tire coup sur professeur, yo tire coup sur étudiant. Et yo par exemple comme à Desimis, yo te ballon calotte. Et ba yo Keb. Ça veut dire réforme nèg yo caché d'elle pour dire y a goumé ou des en réforme. Non son pas avancé, ça veut dire nèg caché d'elle ça. Pour fond lutte ba konnen avec qui objectif et bien qui ça. Ce question réforme que nèg yo soi-disant a demandé. Donc on sérieux, un groupe étudiant a dit que y a demandé pour une réforme qui fait en dans l'université. Tout le monde a supposé d'accord. Tout le monde a supposé d'accord. C'est bien. Mais le par exemple, où descendre
Avenue Christophe, où on machine service de l'État passé au boulot. Qui ça, ça a été pour avec réforme? Je dis par exemple, qui ça nous pensait pour faire avec faculté, avec université l'État? Qui ça nous pensait pour aborder des questions, monsieur? Ça me pense au café avec université l'État ou bien aborder faculté, c'est premièrement exiger dirigeant pour responsabilité. Premier bagage là. Le bon mandat, connaissez un mandat, connaissez une responsabilité et pas plus politique pour faire espace là. Prenez responsabilité. Parce que tout tant d'autant de toute action ça voulez ou pas mes amis pas grand monde qui a décidé la loi gain force l'état c'est l'état ou bien l'état li disposer de ensemble des forces contraignantes qui capable permettre mon fonctionnement espace ça qui capable maîtriser grain qui a fait des ordres ou bien grain qui sorti pour mettre espace ça dysfonctionnel là et puis permettre espace ça fonctionner. L'Université d'État d'Haïti a présenté hier le bilan d'une série de visites réalisées dans les 5 départements touchés par l'ouragan Matthew en vue de mieux s'enquérir de l'ampleur de la situation et des enjeux de cette catastrophe. Ces visites ont été réalisées entre octobre 2016 et janvier 2017. Une vingtaine de professeurs de l'UEH étaient mobilisés aux côtés du vice-recteur aux affaires académiques dans le cadre de ce travail. Ils ont pu rencontrer des maires, des responsables d'écoles et d'églises et des notables des zones visiter. La présentation du bilan de cette tournée, déroulée autour du thème l'UEH et les victimes de l'ouragan Matthew a été l'occasion pour le vice-recteur aux affaires académiques, le professeur Harold Toussaint, de plaider en faveur de l'intégration du cours éducation à la citoyenneté et environnement dans le cursus de l'UEH, le professeur Harold Toussaint. Nous allons visiter tous les 5 départements qui étaient victimes. Nous allons aller rencontrer Mounio. Avec un groupe professeur, il y a près de 20 professeurs qui t'accompagnent nous dans chaque voyage, 20 professeurs de l'Université d'État d'Haïti qui t'accompagnent nous. Nous avons dit une sorte de caravane nous faisons dans l'université. Et nous allons dans le côté ça. Nous allons Cavaillon, nous allons au Caille, nous allons Camperin, nous allons Port-Salut, nous allons Jérémy, nous allons passer Roseau, nous allons passer Dame-Marie, nous allons tout. BDN, nous allons Bombard de police, nous allons Mont Saint-Nicolas, nous allons Gringoive, nous allons Baradère, Côte de Fer, Petit Goave, nous allons Couté Mounio. Mais nous allons tout pour nous que, est-ce qu'il n'y a pas d'avoir bon pour nous changer enseignement dans l'université? Qu'il y a bien dans l'université? Donc vos réformes pour qu'ils fassent, sans me réveiller aux réformes silencieuses pour qu'ils fassent dans l'université, par rapport à ça, il y a enseigné. Est-ce qu'il y a une articulation entre ça, il y a enseigné dans l'université et vraie réalité sociale là? Justement, nous allons, pour nous capables de chance, pour nous capables questionner et pour nous capables de voir qui universitaire est capable de participer à la transformation de cette société. Nous devons faire un lien entre cursus académique et réalité sociale. Et c'est pour ça que nous recours que nous allons demander pour toute faculté de Guyane et Sahara, c'est éducation à la citoyenneté et environnement. Quand nous sommes bien contents que nous avons un gouvernement qui apprend bâton pèlerin à nous, mais nous-mêmes dans l'université, nous déjà pris un bâton déjà, nous visiter 13 lieux. Et l'invisité de 13 lieux là nous dit il est urgent de promouvoir une culture d'inclusion dans la société haïtienne. Des paysans de Plaisance du Sud dans le département des Nippes se plaignent de l'apparition de certaines maladies dans la commune 6 mois après le passage de l'ouragan Matthew dans la région. Le responsable d'une organisation, Jean-Marc Villiers, a fait état de démangeaisons et de la présence de sang dans les selles. Il interpelle le gouvernement. Écoutez la déclaration de Jean-Marc Villiers. Même comme organisation paysanne Nippes, remarquez. Depuis plusieurs dizaines d'années, paysans se couche moun qui pi maltraité, pi humilié en deux sociétés. Nous constatons que conditions matérielles existence nous a dégradé chaque jour plus. Une situation qui vient pi compliquée pour moun dans le département Nipio, et spécialement moun dans la commune Plaisance, depuis après passage ouragan Matthew, qui te pote aller tout sa moun yo te possédé. Nous constatons, je ne j'en dis pas, mot qui relève la santé, t'assemble pas dans le vocabulaire l'État pour moun dans le département Nipio, et spécialement moun Plaisance. Ça qui la cause, pichon a levé sous peau moun yo, ou bien maladie, toilette, vent, accent, kap fè ou mouté le ciel pas d'eau. C'est exprimé gros ke kase nous gagne devant administration Moïse Lafontaine. Dans ça qui gagne ouais à cause paysan. Nous constatons, malgré M. Jovenel, te prend pouvoir sous dos paysan yo, avec yon slogan, nek banan nan. Nous pas arrivé ouais à clé, qui côté intérêt paysan yo placé dans politique générale premier ministre liya, M. Lafontaine. Nous pas ouais dans li, yon politique qui dans ses collés, avec yon bon jan projet agricole,
N'a demandé monsieur Jovenel comme il te promet nous il pral mettre soleil terre gloire à mounyo pour sortir pays à dans pauvreté n'a dit lui faut qu'il fait presser en pile pour soleil là pas fin sécher et puis couper souffle tirer paysan nous était dans nip dans sid à dans grandance pour gloire pas fin touyer yo à choléra pour érosion pas fin aller à terre pour ça qui vient ouais à comportement manfoubé autorité yo. N'a dit yo, ça dérange nous en pile. Les nouveaux comportements yo, face à la situation paysan nan nip yo. Ça dérange nous en pile. Les nouveaux, c'est un seul rendez-vous yo gen ak nous. C'est les candidats. Les ça, yo rele tête yo paysan. Mais depuis au fineli, yo pas jamais demandé qui mort qui t'ai tué l'empire. Pas de proposition loi qui pote dans le Parlement. Dans le sens pour trouver moyen pour améliorer les conditions de vie nous comme paysans. Et au fait un coup, yo pas connaît dans qui condition timoun commune plaisance yo pral l'école. Dans qui condition état santé moun plaisance a détérioré, dans qui condition en pile paysan a dormi en bas mosotache. Le syndicat des employés de l'Office national d'assurance vie s'exige la nomination plus vite d'un directeur général adjoint à l'UNA, selon le vide de l'article 229 de la loi organique de l'institution. Le président du syndicat, Jean-Luc Bien-Aimé, dit avoir appris avec stupéfaction via des conseillers du chef de l'État que le président Jovenel Moïse n'a pas l'intention de nommer un nouveau directeur général adjoint à l'UNA suite à la révocation de M. Lédor Louis. Jean-Luc Bien-Aimé souligne la nécessité pour le directeur général de l'institution d'avoir un assistant pour la bonne marche de l'institution. Le président du SE ONA a profité pour saluer l'arrivée du nouveau directeur général Chesnel Pierre, invitant ce dernier à travailler dans l'intérêt des pensionnaires, des assurés et des employés de l'institution. Installation hier de Guivard Labbé comme délégué départemental de NIP. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur Max Rudolphe Saint-Albin. Le nouveau délégué départemental du Sud-Est a été lui aussi installé dans ses fonctions hier. Il s'agit de Jude Pierre-Michel Lafontaine. Autre nouvelle, la position d'Haïti dans le dossier du Venezuela à l'Organisation des États américains n'a pas été suffisamment réfléchie. C'est du moins ce que pense le sénateur Evalier Beauplan qui croit que nous devons des explications aux États-Unis d'Amérique qui sont autant nos alliés que le Venezuela. Le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat qui dit s'attendre à des représailles estime que l'État haïtien doit déterminer quelles relations ont privilégié le sénateur Evalier Beauplan au micro de Yann Zifrance Fidel. Autrefois, Haïti bloqué dans l'UNESCO. Tu veux voter par exemple pour Palestine, autrefois Haïti voter abstention. Parce que tout simplement, ministre qui a changé pas qu'à directive. Parce que nous pas établi. Qui relation nous privilégier Taïwan ou la Grande Chine? Et me déposer question ça. Qui relation nous privilégier Arabe ou bien Juif? Qui relation nous privilégier Amérique du Nord ou Amérique du Sud? C'est-à-dire que toute décision qu'on prend en diplomatie, c'est explication. Une question directe, sénateur Beaublanc. Est-ce que Haïti doit contre sanction qui doit tomber sur Venezuela ou bien Haïti doit pour sanction ça? Est-ce que sanction c'est contre Venezuela ou contre Maduro? C'est ça pour nous garder. Parce que Venezuela dans le contexte électoral, je dire. Dans Venezuela a prêté Maduro parti. Voilà, donc... Venezuela dans le contexte électoral. Est-ce que dans l'étude américaine, ils veulent target Venezuela ou du moins ils veulent target Maduro? Parce que Venezuela plus grand que Maduro. Faut très prudent dans ça et c'est explication ça que les diplomates nous pas arriver à tête. Est-ce que aujourd'hui américain t'avait target Haïti ou voulait target Jovenel Moïse? C'est deux bagages différents. Haïti prend position déjà sénateur Beauplan. Haïti prend position. Attendre à des représailles quand même inévitablement en diplomatie. Rien ne se fait pour rien. Souveraineté des États, aujourd'hui après l'achat de San Francisco, libre absolu parce que si San Francisco, ou dit chaque fois en situation difficile, ou mandez l'autre nation pour venir de haut. La preuve est bien grande, ou souverain, qu'on accepte le budget financé à 60% par les Américains. Ou en situation irrégulière par rapport à rélevance vers Venezuela, mais Venezuela a assumé et qu'elle toujours bon gaz. Je dis au ministre dans le pays, c'est si on te signé, ou signé chat fondamental des Nations Unies, automatiquement signé la San Francisco, ou signé la Bogota, ou signé la Caracas, ça veut dire qu'automatiquement, ou prend signé à Jusan, ou entre dans le marché mondial. Le monde vit nos villages, je dis. Chaque fois, ou blessé, représailles à la simple. Ou bien près de 2 millions haïtiens qui vivent aux États-Unis. Je dis, on a un paquet qui est en situation irrégulière. Ça a des conséquences sur Haïti. Les États-Unis ont une relation à l'autre pays. Les États-Unis ne doivent pas intervenir directement, intervenir à travers Santo Domingo. Je dis, à 600 Santo Domingo, à voyer des haïtiens qui illégal la Kaili,
sont capables de servir à Santo Domingo. Ou bien des relations avec le Brésil, mais américains des relations avec le Brésil. Ou un paquet haïtiens qui est en situation irrégulière au Brésil, si je dis à vous voulez voir tout haïtien ça retourner, c'est une situation difficile. Ou bien des accords commerciaux, même le ou pas exporter. Si je dis à question de transfert américain, tu as une restriction sur question de transfert, nous dépendons strictement du transfert qui sont aux États-Unis. D'où décision, c'est pas lui qui est mauvais en soi, mais nous avons explication pour nous bailler l'autre pays qui croit que nous sommes alliés tout. Parce que c'est tout à fait normal pour Venezuela, marchand de vote nous, mais normal tout pour Américain de ne pas ça le représenter pour nous, pour le marchand de vote. Le nous voter pour l'un ou pour l'autre, ou une explication pour bailler l'autre là. Je dis à ne pas dire Haïti mal voté le fait qu'elle vote pour Venezuela, mais Haïti en tant qu'allié américain, automatiquement vote pour Venezuela, une explication pour bailler les Américains, pour qu'en matière diplomatique qui ne pas déranger. Le Conseil électoral provisoire a publié hier les résultats définitifs des législatives pour le Centre et Plaisance du Nord, consacrant la victoire de René Célestin pour les sénatoriales du Centre et Audney Alcide pour la circonscription de Plaisance. Meilleure bonne nouvelle pour tout auditeur.